Parler, faire baisser une permutation qui voit le chef des opérations de Béni et de Bounia interchanger. Ses commandants des secteurs opérationnels vont devoir maintenir la pression sur les forces négatives. L'arrivée imminente du chef de l'État dans le Grand Équateur bouge les lignes. À Mbandaka, les coups des pioches pour une voirie viable sont donnés et les engins lourds vont arpenter les artères. 25 ans, le groupe Wenge Music a baissé BCBG4 4x4 tout terrain sur le même podium à Kinshasa. JBM Piana, Wei Ranson, Blaise Boula et autres vont replonger les ménomanes dans l'histoire de la musique des années 80 et 90. Ça sera le 30 juin et le 9 juillet prochain. Il est 20h à Kinshasa, même heure à Bujala. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Vendredi, c'est aujourd'hui, la tradition a été respectée. Tous les membres du gouvernement Samalou Kondé se sont retrouvés pour la 49e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour. Les détails, vous l'aurez après ce journal avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Le dossier M23 sur la table des discussions ce vendredi à la Cité de l'Union africaine entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une délégation de l'ONU, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, affirme avoir reçu du président de la République les éléments nécessaires pour mieux exposer la situation au prochain Conseil de sécurité. Patrick Michel Mokoui. La fine pluie de la matinée de ce vendredi venait à peine de s'arrêter quand Bintou Keïta, à la tête d'une délégation, s'est présentée au bureau du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a accompagné au cabinet du président de la République deux diplomates nouvellement accrédités à Kinshasa, dont l'un, nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC qui a présenté ses lettres de créance, et l'autre, coordonnateur résident et humanitaire de la même organisation qui a présenté ses civilités aux garants de la nation congolaise. Mais le point d'orgue de la rencontre avec le président de la République, c'est cet échange autour d'une question cruciale de l'heure, le dossier M23. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, qui a pris part à la discussion, justifie son intérêt sur la question par sa prochaine communication au Conseil de sécurité du 27 avril. Le président nous a donné son analyse sur ce qui s'est passé et notamment les conclusions, les décisions du dernier mini-sommet à Nairobi. Et j'ai recueilli auprès de lui une analyse très éclairante et des conseils de très haute qualité. Je pense que j'ai suffisamment d'éléments pour faire une analyse complète et approfondie de la situation sécuritaire et politique, notamment sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Et donc j'ai suffisamment d'éléments pour appuyer, pour préparer ma communication. Après échange avec la délégation onusienne, le chef de l'État a rejoint la salle virtuelle du gouvernement pour le Conseil des ministres. Une 49e réunion du genre qui a vu le président de la République communiquer aux membres du gouvernement les détails de ses entretiens avec la délégation des Nations Unies avant de suivre religieusement quelques points d'information sur la sécurité, la santé et l'économie ainsi que quelques dossiers soumis à examen et approbation par le Conseil. Comment garantir l'autosuffisance alimentaire à Kinshasa? Le président de la République veut faire du Daipen une unité de production industrielle. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a consacré la journée d'hier jeudi à la visite d'inspection des unités de production du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancelé, situé à une cinquantaine de kilomètres de la périphérie est de la capitale. Blandine Zovo. C'est une première depuis son accession à la magistrature suprême de se rendre en personne dans la grande concession du domaine agro-industriel et présidentiel de l'Ancelé. Un domaine qui comprend un vaste parc recouvrant plusieurs centaines d'hectares conçu à l'origine par le maréchal Mobutu en 1966 comme une ferme présidentielle de production agricole. À sa mise en place, l'idée était de servir de modèle de l'agriculture en Afrique centrale.
Daïpen connaîtra ensuite les pires moments de son existence vers les années 1990. Avec l'aide des investisseurs israéliens, le domaine agro-industriel et présidentiel de l'Anselé essaye tant soit peu de renaître de ses cendres. Un partenariat sera alors signé en 2013 entre le gouvernement et la firme LR Group, société israélienne spécialisée dans l'agriculture et l'agro-industrie, qui s'est engagée à réhabiliter et à faire de Daïpen une unité de production et de commercialisation des produits agroalimentaires. Ce jeudi 14 avril, le site a reçu la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est venu palper du doigt ce qu'est devenu ce grand géant agro-pastoral de la RDC. À son arrivée sur le site, le président de la République a été salué par un comité restreint d'accueil constitué des officiels et des responsables de la firme LR Group. Au total, 6 différents sites ont été visités par le garant de la nation. Tout commence ici, sur cette poulette où s'effectue l'élevage des pondeuses qui produisent des œufs frais prêts à la consommation. 2 bâtiments contenant chacun 9460 pondeuses. Ici, tout se fait dans les conditions optimales requises pour un élevage aux normes modernes. Au deuxième site, c'est le couvoir où se fait la conservation des œufs en attendant leur éclosion qui s'effectue généralement dans un délai de 21 jours. Au sein de la filière avicole de Daïpen, le groupe LR l'a éclaté en 2 parties, il y a côté production avec sa ferme intégrée et le côté agricole qui s'occupe de la production des légumes et fruits ainsi que des plantes aromatiques. Le chef de l'État, sous un soleil de plomb, poursuit sa descente sur cet autre site géant. Il s'agit de la salle de contrôle, irrigation, mais aussi de la chambre froide conçue pour la conservation des espèces après leur récolte. L'expert israélien fournit au président de la République tous les détails possibles liés au fonctionnement de cette méga-infrastructure qui a pour vocation première de contribuer substantiellement à améliorer la sécurité alimentaire par l'approvisionnement constant de la ville de Kinshasa en produits vivriers à des prix abordables. Il est certain que les difficultés sont énormes, mais les résultats sont satisfaisants. Et juste après, le cortège du chef de l'État a traversé la chaussée Lumumba pour se rendre de l'autre côté du domaine présidentiel de l'Anselé, où se trouvent la mythique stèle et la fameuse pagode chinoise. C'est sur cette autre rive que se trouve l'UAB, l'usine d'aliments pour bétail. Des gigantesques silos, 9 au total, réservés uniquement pour le moulinage des maïs, soja et autres produits qui interviennent dans l'alimentation des bétails. L'usine réhabilitée n'est pas encore inaugurée, mais peut produire jusqu'à 10 tonnes d'aliments pour bétail par heure. Ce tour du propriétaire a permis au chef de l'État de se rendre personnellement compte des conditions de travail de Daïpen et surtout du niveau de spoliation de cet espace public destiné à la culture maraîchère. À son passage sur chaque site, le président de la République a été ovationné par le public et les travailleurs locaux dont la rémunération est en inadéquation avec leur implication dans la chaîne de production. Ils sont au total 380 agents qui ont reçu du chef de l'État la promesse d'améliorer leurs conditions salariales. Commencé vers 14h, c'est au coucher du soleil, au bord du majestueux fleuve Congo, que le président de la République a bouclé cette longue visite. C'est dans ce bâtiment, au son de caquettement des volailles, que se trouve l'abattoir. Une chaîne rotative qui part du déplumage à la conservation en passant par le nettoyage et la chaîne de froid où se fait la conservation des poulets destinés à la vente au public. Dans la suite du chef de l'État, il y avait son directeur de cabinet Glen Yembombouizia et le conseiller principal au collège planification, agriculture, pêche et élevage, l'ingénieur Ambroise Kazumba Mukinai. Côté gouvernement,
y avait le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe et son collègue du tourisme Moderon Simba. Plusieurs autres officiels ont accompagné le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ce vaste domaine de l'Ancelé. La tenue des États généraux des mines en République démocratique du Congo, l'une des 15 recommandations faites à la ministre des Mines par la sénatrice Victorine Lecé, auteur de la question orale avec débat au cours de la plénière d'hier, présidée par Modeste Baati-Lukwebo, plénière qui a aussi auditionné deux membres du gouvernement central et le directeur général intérimaire de la régie des eaux, tout dans ce condensé signé Gaylor Kimpianga. Véritable moisson législative au Sénat où les élus des élus ont voté à l'unanimité trois projets de loi en seconde lecture. Le Sénat vote ce projet de loi. Mes sincères félicitations, ces trois projets de loi vont être transmis au président de la République pour promulgation. D'entrée de jeu, la plénière de jeudi, présidée par Modeste Baati-Lukwebo, a connu un débat ponctué par deux motions d'information. Il s'agit d'abord de celle du sénateur Omba, qui a mis au courant ses collègues de la situation qui prévaut à la prison de Mbandaka, où les prévenus meurent sans être jugés, faute d'une bonne prise en charge. Une autre motion d'information, c'est celle du sénateur Célestin Vunabandi, qui a informé la plénière de la situation des déplacés de guerre à Rutshuru, fouillant les combats entre les éléments du M23 et les forces loyalistes. Étant saisi par deux motions, le président du Sénat, Modeste Baati-Lukwebo, a demandé et a encouragé ses collègues à user des droits parlementaires leur reconnus par la Constitution et le règlement d'ordre intérieur en vue de constituer des enquêtes parlementaires afin de vite trouver les solutions à ces situations. Deux membres du gouvernement ont ensuite défilé devant les sénateurs pour présenter trois projets de loi afin d'obtenir l'approbation de la haute chambre du Parlement. C'est d'abord le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando, qui a présenté le projet de loi portant autorisation de la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Jean-Lucien Boussa a à son tour présenté deux accords commerciaux bilatéraux entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ainsi que la RDC et l'Angola. Si le premier a pour objectif relier l'Afrique de l'Est et de l'Ouest afin de développement de la RDC, les deux autres visent la consolidation réciproque des rapports commerciaux entre la RDC et ses deux voisins. Le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando, a rassuré les sénateurs quant à l'avancement du projet de la construction du port en eau profonde de Banana. Au chapitre du contrôle parlementaire, la ministre des Mines a répondu à la question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Victorine Lecé. Pas convaincue par les réponses de la ministre de Mines, l'initiatrice de la question orale a formulé 15 recommandations, dont la principale est la tenue des États généraux des Mines en République démocratique du Congo. Quant à l'interpellation du directeur général intérimaire de la Régie des Eaux par le sénateur Papi Bazego, la plénière a décidé de suspendre le débat général en attendant la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Régie des Eaux par le gouvernement. Des changements à la tête du secteur opérationnel des FRDC en Ituri. Le général de brigade Niembo succède au général Robert Maloba, permuté à l'opération Sokola 1 à Beni. La cérémonie de remise reprise a eu lieu aujourd'hui. Regardez. Le secteur opérationnel de l'armée en Ituri a un nouveau commandant. Il s'agit du général Niembo Abdallah qui remplace à titre intérimaire le général Kasongo Maloba Robert, muté au Nord Kivu pour exercer les mêmes fonctions. Au secteur opérationnel Sokola 1. La passation du bâton de commandement entre ces deux officiers généraux a eu lieu ce vendredi 15 avril. Occasion pour le commandant sortant de remercier ses compagnons d'armes pour le travail abattu dans le cadre de la traque des groupes armés en cette période de l'état de siège. En tout cas, encore merci pour tout, merci pour votre rapport, merci pour votre soutien et nous sommes ensemble. Le général Niembo Abdallah, nouveau commandant du secteur opérationnel des forces armées en Ituri, promet de continuer sur la même lancée, qui ne sont pas nécessaires. On va continuer dans la même chemin. Si aujourd'hui je suis élevé au niveau du secteur, du titulariat, c'est par rapport à la complicité professionnelle qu'il y a eu entre moi
et le général Kassongo, en même temps avec le commandant second en charge de l'administration. Au coordonnateur de la mutualisation des forces RDC Ouganda et a présidé la cérémonie de remise et reprise au nom du chef d'état-major général d'appeler les deux officiers généraux à poursuivre la collaboration pour la réussite des opérations conjointes. Au nom du chef d'état-major général qui a reçu les instructions du commandant suprême pour opérer ces changements, je vous remercie vous tous pour avoir œuvré dans la cohésion, dans la transparence et dans le dévouement de la réussite. Continuez donc dans ce sens-là et vous verrez que certains parmi vous seront aussi un jour élevés. Avant d'être élevé à la tête du secteur opérationnel de l'armée en Ituri, le général Niembo Abdallah a assumé les fonctions du commandant second en charge des opérations et renseignements. Comment assurer la sécurité de Pape François qui sera dans le tout prochain mois en République démocratique du Congo? Eh bien, une table ronde est organisée à l'école de guerre au ministère de la Défense nationale pour prendre toutes les mesures sécuritaires. Raymond Marilelo. Les intervenants au cours de la table ronde relative à la visite papale en République démocratique du Congo ont parlé le même langage aux fins de mener à bien cet événement événementiel. Ils ont tous, comme un seul homme, présenté les stratégies montées par leurs services respectifs en vue d'honorer l'évêque de Rome. Pour les FARDC, la sécurité sera renforcée dans le but d'éviter les aléas pendant ces jours festifs, car les hors-la-loi sont toujours mal intentionnés. Ils cherchent toujours les événements de cette envergure pour perturber l'ordre établi. Le carquois est déjà rempli pour bouter hors d'état de nuire tout celui qui se perdra en conjecture. La police nationale congolaise a abondé dans le même sens. Elle ne jure que sur la réussite tous azimuts du séjour pontifical. Et elle est déjà à pied d'œuvre. La radio-télévision nationale congolaise a rassuré toutes les parties prenantes de son apport, car elle est l'instrument au service de la République démocratique du Congo. Elle a déjà pris toutes les dispositions pour que cet événement soit diffusé à travers le monde, a dit le représentant du DG Belide Bunga Mvindu. Le protocole d'État n'était pas en reste, il a aussi planché sur son concours. Il doit redoubler d'efforts. Le représentant de l'école de guerre, lui aussi, a livré quelques projets à ce propos à la presse. Et nous voudrions effectivement voir comment effectivement les acteurs des différents services sont impliqués et comment ils vont coordonner, planifier pour la réussite de ces grands événements. Au chapitre de l'énergie, après le remplacement des flexibles du groupe 26 Dinga 2, les équipes de la SNEL s'attaquent à la deuxième phase qui est le démontage du G25. Le retour à la normale de la fourniture en énergie électrique n'est qu'une question des heures. Cédric Enema nous en parle. Les travaux de remontage du groupe 6 G26 de la centrale hydroélectrique Dinga 2 se poursuivent normalement. On en veut pour preuve les remplacements des flexibles. Une pièce maîtresse usée et tant d'autres doivent être retirées du groupe 5, G25, qui sera complètement réhabilité d'ici là. Un autre chantier de démontage du G25 s'est invité. Au départ, nous savions qu'on avait un problème à résoudre au G26. Et pendant le démontage, on s'est rendu compte que les problèmes qui étaient circonscrits là n'étaient pas les seuls qu'il fallait résoudre. Tandis qu'une autre pièce qu'on appelle carter couverte de la quille rotative qui s'est déformée. Alors, nous n'avons pas cette pièce-là de réserve à nos différents magasins que nous avons ici. Ce sont des pièces qui sont commandées et fabriquées. Et ça vient souvent pendant la phase de montage du groupe. Ça peut prendre 6 mois, 7 mois, 8 mois. On ne peut pas laisser la machine comme ça rester pendant 6-7 mois à la rue. Le mieux serait de récupérer cette pièce-là. Malgré la remise en service du G23 le dimanche 10 avril 2022, les réseaux de distribution de la SNEL SA connaît des perturbations. La fourniture d'énergie électrique à Kinshasa est dans une partie de l'espace Katanga. Les techniciens de la SNEL SA travaillent nuit et jour pour la remise
de 150 MW dans les réseaux produits par le 6e groupe d'Inga 2 qui s'est arrêté le 26 mars dernier. Mettons le cap sur les grands équateurs, travaux de réhabilitation de la voirie dans la ville de Mbandaka. Engins et personnels de l'OVD ont été déployés pour l'exécution de 10 travaux financés par le FONER. C'est la concrétisation de la vision politique du chef de l'État dans le secteur des infrastructures routières. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le directeur général de l'OVD, Aimé Mutombo, rendu par Blaise Boko-Kassanda. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue de la Libération ex-Mobutu est d'une longueur de plus de 6 km. Elle va de l'aéroport de Mbandaka jusqu'au port de l'ex-Onatra. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la province de l'Équateur. Engin 9 arrivé à Mbandaka pour se faire, une ville longtemps classée dans les oubliettes. Présentation de la fiche technique des travaux qui seront exécutés par l'Office de voirie et drainage. Le directeur provincial de l'OVD, Turquin Boukassa, l'a fait. Travaux financés par les FONER. La détermination est de mise pour le directeur général de l'OVD, Victor Ntumba, de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de doter les 26 provinces de la RDC des infrastructures routières adéquates et sans discrimination. Aujourd'hui, c'est la voirie urbaine à Mbandaka. Demain sera le tour des autres villes et chefs-liers du Grand Équateur. Pilvis mixeurs, compacteurs, niveleuses, chargeurs, bulldozers, camions ben et autres engins légers ont été acheminés à Mbandaka pour la réalisation des 10 travaux. Un motif de satisfaction non seulement de la population locale, mais également du chef de l'exécutif provincial qui n'a pas cherché mieux que de dire merci. Merci au président de la République qui, dans sa vision transformée en mission, tient mordicus à faire de Mbandaka une ville coquette de par sa voirie. La population est équatée dans l'ensemble. Je m'adresse à la population de l'Équateur dans l'ensemble et celle de Mbandaka. Eux-mêmes voient comment les choses se concrétisent. Fini les doutes, fini les bavardages. Les mains du chef de l'État sont visibles sur le terrain. Nous lui disons merci. Notons que la ville de Mbandaka, à l'instar des autres villes du Grand Équateur, attend fiévreusement l'arrivée imminente des garants de la nation dans cette partie des territoires nationaux. Le dispensaire de la radio-télévision nationale congolaise fera bientôt peau neuve. Une délégation des Congolais vivant à l'étranger l'a visité et a promis au directeur général intérimaire de ce média public de s'impliquer pour équiper ce dispensaire en médicaments et autres produits. Diane Balaka. Dans le cadre du partenariat public-privé, un accord de partenariat dans le domaine de la santé, plus précisément dans la cardiologie, a été signé entre la Radio-Télévision Nationale Congolaise et le 4AS Bell, une fondation de Congolais vivant en Europe. Il s'agit de la fondation Mapendano, Tatete, Klai, Mungu et Tchej. La délégation des responsables de ces fondations a été reçue par le directeur général AI de la RTNC, Robert Belide Bunga. Question d'échanger sur la concrétisation du dit partenariat. Au nom de la délégation, Dr Tatete explicite le projet. Nous avons été reçus, malgré l'emploi du temps du DG de la RTNC, afin de discuter d'un projet qui a trait dans l'ADN même de nos associations respectives et sociales. Et ici, le DG nous a fait comprendre qu'il y avait à Kinshasa plus de 2000 agents et plus de 3000 familles qui travaillent à la RTNC. Et nous voulons proposer un partenariat dans nos domaines qui nous concerne, à savoir, grâce à l'autorisation du DG, de collaborer en ce qui concerne la clinique de la RTNC et de permettre de d'aider et de relever, rééquiper et moderniser la clinique de la RTNC selon les besoins dont leur directeur, médecin directeur va nous soumettre et qui nous permettra d'avoir cette collaboration. Après l'audience, la délégation a visité la polyclinique de la RTNC conduite par le médecin directeur, Dr Kasereka. La délégation a visité tour à tour la salle de consultation, le laboratoire et la salle d'opération. À l'issue de la visite, Dr Tatete a décidé de réhabiliter le bloc opératoire de cette polyclinique de la RTNC.
La province du Maniema, frappée dernièrement par un gigantesque incendie qui a tout ravagé sur son passage et laissant derrière lui 182 ménages qui passent la nuit à la belle étoile, le gouvernement central vient à la rescousse de ses victimes. Une équipe du ministère des Actions humanitaires dépêchée sur place est allée remettre un lot des vivres et non-vivres. Rodi Panda. Il s'agit d'une première assistance multisectorielle constituée d'un lot important de matériaux de construction, notamment les ciments, les tôles et les clous, les outils de ménage, parmi lesquels des matelas, des étoffes de pain de wax, de l'huile végétale, des sacs de sel de cuisine, des sacs de haricots, les bidons vides, des bassins et des casseroles. C'est une assistance du gouvernement central destinée aux 182 ménages victimes des conflits ethniques survenus à Kayuyu, dans les territoires de Pangui. Dans le domaine de l'éducation, un kit scolaire constitué de sacs et accessoires seront dotés aux enseignants et élèves. Un lot de médicaments est prévu également pour soigner les victimes de ces atrocités. L'équipe du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires, conduite par Boké Levava, directeur des Actions humanitaires au secrétariat général du ministère des Péchés au Maniema, a procédé ce vendredi 15 avril 2022 à la remise symbolique de ses dons au gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idriss Mangala. C'était en présence de l'inspecteur de l'IGF. Transparence oblige. Le gouverneur intérimaire Afani Idriss Mangala a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses gestes salutaires en faveur de sa population. Le chef de l'exécutif provincial du Maniema promet de descendre personnellement à Kayuyu pour remettre cette assistance du gouvernement central aux 182 ménages ayant été identifiés par les services des actions humanitaires. Le ministre de la Santé a porté la voix de la RDC à la réunion internationale sur le VIH tenue au Kenya il y a peu. De retour au pays, Jean-Jacques Mbungani a expliqué devant la presse la portée de ses assises. Lopez Kakuba. L'un des participants à la réunion technique et politique des consultations et mobilisations en faveur de la lutte contre le VIH-Sida tenu à Nairobi au Kenya, le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda. Il explique les efforts déployés durant les 10 dernières années, mais aussi les performances envisagées par le Fonds mondial en vue de l'éradication du VIH-Sida d'ici 2030. On a identifier les progrès qui ont été réalisés les 10 dernières années, après identification, discuter sur les nouvelles stratégies de l'ONU-SIDA et du Fonds mondial par rapport à la lutte. Parce que l'intérêt est d'éradiquer cette maladie d'ici 2030. Où est-ce que nous en sommes? Que faut-il faire? Comment y arriver? Signalons que la deuxième phase de cette réunion va se poursuivre du 24 au 29 avril prochain à Addis Abeba en Éthiopie. À cette occasion, le ministre Jean-Jacques Mbungani prendra les commandes de la représentation du Fonds mondial pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre pour un mandat de 5 ans. Dans cet élan de détermination que nous allons défendre l'intérêt pour le compte de la sous-région au niveau du Fonds mondial, afin que les fonds qui seront récoltés soient de manière équitable répartis dans différents pays, et ce, en fonction du besoin exprimé. Cette réunion a été organisée par les Fonds mondiaux et l'ONU-SIDA. Le cinquième sommet de la Commission du Golfe de Guinée se tiendra prochainement à Abidjan et la RDC est invitée à y prendre part. Message apporté par le secrétaire exécutif adjoint de cette commission au ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga. Vital Pagabitas, ce reportage. Commission du Golfe de Guinée compte beaucoup sur la RDC dans l'implémentation de ses activités. Propos de son secrétaire exécutif adjoint, Afonso Eduardo, qui a longuement discuté avec le ministre de l'intégration régionale. Didier Mazenga Mukanzu a été informé par la même occasion de la tenue du cinquième sommet de la dite commission prévue à la fin de ce mois à Abuja, c'est au Nigeria. La réunion, en principe, ça sera à Abuja le 28. On va commencer avec la réunion des experts qui commence le 29, de la revitalisation de la commission du Golfe de Guinée. Et on va changer le secrétariat. Maintenant, son FPI
je peux nommer quelques comme Angola, la RDC, le Congo, la République du Congo, Brazzaville, Saint-Tomé et Principe, Cameroun, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Gabon, sont les pays qui composent. La Commission des Golfes de Guinée, qui compte 9 pays membres, dont la RDC, vise à promouvoir la paix et la sécurité, à lutter contre la piraterie maritime et à booster la pêche et l'élevage. La Commission des Golfes de Guinée a son siège en Angola. Le chef de l'État nigérian en est le président en exercice. Rendons-nous à présent à Paris, en France, où s'est tenue la 5e édition du Salon socio-économique congolais. Les détails avec Willy Atonakov. La coopération socio-économique et culturelle entre d'une part la diaspora des deux Congos et la France d'autre part est au beau fixe. Voilà qui justifie la tenue les 16 et 17 avril prochains à Paris, en France, de la 5e édition du Salon socio-économique et culturel congolais dénommé Congo na Paris. Objectif: connecter la diaspora de l'Europe aux deux Congos voisins, considérés comme poumons écologiques de la planète. Et cela, à l'initiative de la présidente de cette structure, Charlotte Kalala, avec l'accompagnement de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Il s'agit d'une plateforme incontournable et du premier salon socio-économique et culturel congolais en Europe qui présente un autre regard de l'Afrique centrale en général et de la RDC en particulier. Congo na Paris est aussi un rendez-vous des amoureux de la culture qui révèle au monde entier le meilleur visage du Congo démocratique. Il a déjà réuni plus de 6000 visiteurs et plus de 130 intervenants en 4 éditions précédentes. Faire vivre Congo na Paris, c'est répondre à un appel du destin, celui d'honorer ses origines et de créer des ponts pour rassembler, unir et célébrer les hommes et les femmes autour d'un Congo debout, résilient et fort. Selon les programmes officiels, la cérémonie d'ouverture de ces forums, prévue ce samedi 16 avril 2022, sous la houlette de Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Machik Ruk Tchombe, sera marquée par 3 tables rondes, un rendez-vous donc à ne pas manquer pour nos compatriotes vivant en Europe. Elle plaide pour la promotion de la femme au sein des institutions du pays. Les femmes du cadre de réflexion et d'action des femmes entrepreneurs, CRAFEL, étaient aujourd'hui chez la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, Nadine Nyangou. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'autonomisation de la femme congolaise, les cadres de réflexion et d'action des femmes entrepreneurs ou leaders, CRAFEL, vient d'organiser une journée d'échange avec les femmes de toutes les couches sociales du pays, en vue de les outiller sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation. Cette matinée d'échange de procédés a connu la participation de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Gisèle Ndaya. Aujourd'hui, le levier même du développement, aujourd'hui, je vous rassure que c'est la femme. Parce que si la femme, elle est formée, si la femme est informée, et si la femme est sur terrain, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. La présidente du CRAFEL, dans son speech, a exhorté les femmes congolaises à quitter les domaines de l'amateurisme pour embrasser celui du professionnalisme et l'entrepreneuriat et les domaines par excellence pour la femme. Nous lançons cet appel à toutes les femmes qui ne se sont pas encore lancées dans une activité autre ou qui font déjà des activités mais n'ont pas une vision bien éclairée dans leurs activités, de pouvoir emboîter les pas de femmes au sein de l'association dénommée CRAFEL pour qu'ensemble nous puissions changer l'économie du pays. Les cadres de réflexion est une association qui regroupe les femmes de toutes tendances et existe dans plus de 5 provinces de la République démocratique du Congo. Si les femmes de CRAFEL sont allées voir la ministre du Genre, les femmes de plusieurs organisations de la société civile étaient à la commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elles sont allées plaider pour la révision de l'article 13 de la loi électorale pour favoriser l'accès de la femme à la vie politique. Nadine Toto, Emmanuela Commissaire. La prise en compte de la parité dans la loi électorale en conformité avec l'article 14 de la Constitution lors de l'examen de la réforme en cours doit intégrer une dimension contraignante dans l'établissement des listes de partis politiques.
Une démarche menée ce jeudi 14 avril 2022 par le consortium des organisations de la société civile et quelques partis politiques sous l'égide de la structure Affirmama à travers le groupe de plaidoyer Voix et leadership des femmes auprès de la Commission de droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Cette question a déjà été tranchée par la Constitution qui demande qu'il y ait parité. Maintenant, la mise en œuvre de cette parité peut prendre des étapes. Nous considérons que la présente loi électorale qui est en vigueur a tenu compte d'une réalité en disant 30% des femmes. Alors le minimum serait qu'on puisse mettre ces 30% comme une condition de recevabilité. La parité n'est pas l'apanage de femmes ou de hommes, mais une affaire de la nation qui a ratifié plusieurs conventions internationales relatives à cette question. Ce pays ne pourra pas évoluer si nous n'avons pas une participation massive des femmes dans des instances de décision. En fait, ce combat, ce n'est pas un combat des femmes, c'est un combat de la nation. La RDC a été parmi les tout premiers pays africains et même au niveau mondial à adopter des textes dans ce sens. Il n'est pas normal que nous avons adopté des textes et puis ce sont d'autres pays qui nous devancent dans la mise en application de ces. Les affiches avec messages rappelant l'importance de l'égalité homme-femme ont été distribuées à cette occasion aux députés qui, à l'unanimité, soutiennent ces combats. Nous voulons épauler la CENI et le peuple congolais en vue d'avoir les bonnes élections. Propos du directeur principal du programme Afrique de la Fondation nationale pour la démocratie. Il a dit au président de la CENI, Denis Kadima, au cours d'une audience lui accordée, Teddy Samba et Hervin Poudi. L'audience a eu lieu ce jeudi 14 avril 2022 au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Le directeur provincial du programme Afrique de la Fondation nationale pour la démocratie, NED, Dave Peterson, a au cours de cette entrevue avec le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, donné des assurances du soutien de cette organisation quant au processus électoral en cours en République démocratique du Congo en prélude des élections de 2023. Qui s'appelle le National Endowment for Democracy. Une ONG internationale basée à Washington. Nous faisons la promotion de la démocratie et bien évidemment pour le Congo qui est notre plus grand programme, nous avons des priorités et la promotion des élections libres et transparentes font partie de ces priorités-là. Et donc comme nous sommes au Congo, nous voulons faire un petit arrêt, dire un petit bonjour, informer à la Commission que nous sommes ici, de notre présence et d'exprimer notre solidarité et le support du processus démocratique ici. Et avec beaucoup d'espoir que le Congo aura des élections transparentes, libres, inclusives. Et donc c'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons eu une très très bonne audience et le président nous a rassuré que les élections seront libres. Créée conjointement par les républicains et les démocrates en 1983, la Fondation NED, bénéficiant du soutien du Congrès américain, est engagée sur tous les fronts où la démocratie constitue un combat garantissant la liberté d'expression ainsi que le respect des droits inaliénables des citoyens, en plus de la souveraineté de la loi. La RDC s'est engagée dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Le vice-ministre de la Justice en a échangé avec une délégation de l'Union européenne qui désire accompagner la RDC dans ce sens. Oscar Malkaïj. Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en RDC, l'Union européenne plaide pour la rédaction d'une législation. Le vice-ministre de la Justice, Amato Baybassiré, a au cours de cette séance de travail avec la délégation de l'Union européenne, conduite par son senior advisor, Gilles Kerchov, qui pilote les projets sous la facilité globale destinée à aider les pays dans le monde sous le contrôle du groupe d'action des financements internationaux GAFI dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La facilité globale est un projet de l'Union européenne qui a pour objet d'offrir des services pour tout type d'aide, rédiger les législations, former, scotcher et répondre aux besoins réels et aider les pays membres d'être en conformité avec les exigences de GAFI. Cette délégation séjourne en RDC à la demande du gouvernement congolais à travers le ministère des Finances pour la mise en œuvre d'un plan monté par la cellule nationale des renseignements financiers, CNRF, d'où l'importance de la chaîne pénale qui va de la déclaration de soupçons par une banque dans une opération où il y a quelque chose d'illicite,
des blanchiments d'argent et qui doit aller ensuite vers l'enquête par la police et enfin la poursuite par un magistrat suivi de la condamnation par un juge. Et donc nous avons discuté des moyens d'aider la République démocratique du Congo et particulièrement le ministre de la Justice à améliorer la chaîne pénale, à améliorer la régulation et la supervision des ASBL, des ONG, et éventuellement aussi d'améliorer la coopération internationale, l'entraide pénale, judiciaire pénale et l'extradition. Les groupes d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale GABAC voudraient que la RDC fasse des progrès dans cette direction. Et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kissé, a pris part à la 52e Conseil des ministres de l'OADA le 14 et le 15 avril 2022 à Niamey au Niger. Une session qui s'est tenue sous le haut patronage du président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Au terme de cette rencontre, le Congolais Jean-Marie Kambouma est élu juge à la Cour commune et d'arbitrage de l'OADA, une satisfaction pour Rose Mutombo Kissé qui a exprimé sa joie du fait que lors de cette session du Conseil des ministres, la République démocratique du Congo vient d'avoir un nouveau juge à la Cour d'arbitrage d'Abidjan, moment indiqué pour la ministre d'État de remercier le président de la République et le Premier ministre. Poursuivant ce journal, la sérénité est revenue à l'Office des gestions du fret multimodal OGFREM. Ce vendredi, l'heure était à la signature des contrats de performance des responsables des différentes antennes, Edith Chala et Patrick Kachala. Directeurs régionaux ont pris un engagement selon la vision qui est imprimée par Justin Kamoigna, directeur général par intérim de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM. Des mois passés en faisant du surplace, impose plus de rigueur à l'interne et moins d'interférences extérieures, le souffle de l'économie nationale qu'est cet établissement public n'a pas besoin d'une instabilité dans l'accompagnement des chargeurs. L'orage passé, Justin Kamoigna avait l'obligation de responsabiliser chacun et c'est ce qui a été fait par cette signature du contrat de performance. Les cadres et agents de l'OGFREM sont déterminés à faire leur travail, pas de la manière habituelle, mais en essayant d'atteindre des niveaux élevés de performance afin d'impacter significativement cette année 2022. Les différents objectifs qui sont contenus dans ces contrats de performance constituent donc des targets, des focus autour desquels on va évaluer les actions de chaque direction et on a des indicateurs objectivement vérifiables qui vont nous permettre de les faire. L'incertitude qui avait élu domicile semble se dissiper et l'appel au travail entendu. Le ministère de Transport, Voie des Communications et des Enclavements peut compter sur l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM pour bien ventiler l'économie nationale. 25 ans après leur séparation, les anciens camarades de la commune de Bandalungwa, de Wenge Muzika BCBG 4x4 Toutara, vont se retrouver sur un même podium pour un double concert le 30 juin et le 9 juillet prochain. Retenez la date, annonce faite aujourd'hui au cours d'un point de presse tenu par le producteur de cette prestation scénique, Eric Abamba et Bijoui Kamba. C'est sans aucun nul doute ces différentes figures du mythique groupe musical Wenge Muzika BCBG 4x4 se retrouveront encore ensemble sur un même podium 25 ans après leur dislocation. Ces groupes qui a fait la pluie et les beaux temps en Afrique mais aussi en RDC vers les années 80 et 90 va livrer 2 concerts, 10 concerts de réunification à Kinshasa le 30 juin et le 9 juillet prochain. L'annonce officielle de ces différentes prestations a été faite au cours de cette conférence de presse par les producteurs congolais Amadou Diaby qui a réussi un grand coup en réunissant ses anciens camarades de la commune de Bandalungwa. Il a également annoncé que le 26 avril prochain, toute la troupe sera à Kinshasa pour le début de répétition et ensuite direction le Cap-Vert pour l'enregistrement d'un nouvel album. Il est important que nos enfants d'aujourd'hui et ceux qui viennent demain, qui puissent au moins savoir qu'il y a un groupe qui a marqué l'histoire de la 4e génération, qui est Wenge Muzika. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus, plusieurs concerts aussi dans des pays africains, parce qu'on a déjà été contacté par des différents pays.
Un comeback vivement salué par tous les mélomanes de la musique congolaise qui ont été bercés durant leur enfance par ces anciens sociétaires de Wenge Musica BCBG 4x4. L'initiative est aussi saluée par les grandes stars de la musique africaine, raison de la présence de quelques-uns d'entre eux aux côtés d'Amadou Diaby, venu et aussi appuyer cette réconciliation. Les professionnels des médias sont à l'école, un atelier de renforcement des capacités qui s'est ouvert aujourd'hui au centre Wallonie de Bruxelles, une initiative de l'UNESCO. Regardez. Le renforcement des capacités des professionnels des médias dans le secteur culturel et environnemental, c'est le devoir que s'est fait l'UNESCO en organisant cet atelier de 2 jours dont les travaux se sont ouverts ce vendredi 15 avril 2022 au centre Wallonie-Bruxelles. Ces assises constituent pour les journalistes culturels et environnementalistes de réfléchir sur le rôle qu'ils doivent jouer pour assurer la protection des patrimoines tant national qu'international relevant de leur secteur, notamment la danse, la musique, le cinéma, la littérature, les parcs nationaux, les monuments historiques et bien d'autres. La Rumba a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel. Et parmi les gens qui ont beaucoup concouru à cette inscription, il y a les journalistes qui ont fait connaître la Rumba, qui ont beaucoup écrit également sur la Rumba. Mais en même temps, ces journalistes ont besoin davantage de se mettre à jour et de renforcer leurs capacités, non seulement dans le secteur de la musique, mais également dans tous les autres domaines de la culture. Et donc, cette activité avait pour rôle de pouvoir donner aux journalistes les outils qui peuvent leur permettre de parler en toute objectivité et avec beaucoup de pertinence du secteur de la culture, qui est l'un des secteurs leviers du développement économique du pays. Les matinées scientifiques à l'UDPS à l'intention de l'élite scientifique se poursuivent. La 5e journée de ces échanges était axée autour du thème la nutrition et prévention du diabète chez les adultes. Alain Bikaï. La malnutrition et le diabète font partie des problèmes de santé publique en République démocratique du Congo. Cette question était au centre de la 5e journée des matinées scientifiques des corps de l'élite scientifique de l'UDPS dénommée « Science au service du peuple ». Le professeur Ignace Balo Akaloji, nutritionniste et docteur en santé publique, s'est penché sur les sous-thèmes « Nutrition et prévention du diabète chez les adultes ». Selon Balo Akaloji, un repas équilibré, diversifié et les exercices physiques sont une prévention contre cette maladie et la malnutrition. Il faut manger les aliments qui sont produits chez nous. Nous devons éviter d'imiter l'alimentation des blancs. On doit manger tous les aliments qui sont produits chez nous. Je pense que ça peut nous aider à éviter l'obésité ou le surpoids qui peut nous exposer à développer le diabète de type 2. Pour combattre la malnutrition en République démocratique du Congo, ces cadres du parti présidentiel proposent que l'agriculture soit une priorité dans le cadre du projet de développement de sa 45 territoires. Nous pensons que si on retourne à la terre, on appuie les 145 territoires selon le programme du chef de l'État avec les outils pour faire les champs. On peut produire suffisamment, nous avons un terre fertile. Pour les coordonnateurs nationaux de cet organe spécialisé de l'IDPS, Dr Soft Mukuna, ces assises ont pour mission dématérialiser la vision du chef de l'État et sensibiliser les peuples à l'auto-prise en charge. Et ce communiqué des usagers de la douane, la direction générale de douane et accises porte à la connaissance des usagers de la douane qu'elle procédera aux travaux sur les réseaux électriques desservant son data center. Les travaux se dérouleront en date du 16 avril 2022 après-midi et la journée du 17 avril 2022. Par conséquent, le système informatique pourrait être inaccessible pendant quelques heures. La DGDA vous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires et présentes ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 11 avril 2022, le directeur général Kawanda Jeanne Blandine. La direction générale des douanes et accises, DGDA en sigle, rappelle aux importateurs des cigarettes que dans le cadre de la mise en service du système de traçabilité de droits d'accise STDA en sigle, ils sont tenus de se faire enregistrer auprès du secrétariat technique du système de traçabilité des droits d'accise à la direction et des autres produits d'accise et de commander
Les timbres instaurés à cet effet par l'arrêté ministériel numéro CAB Minfinance /2021/2018 du 26 novembre 2021 portant mesure d'application du code des accises aux fins d'inventaire, les importateurs des cigarettes qui ont acheté les vignettes imprimées par l'hôtel de monnaie sont tenus de les déclarer à la DGDA d'après pas en indiquant les quantités en stock non encore utilisées, les quantités expédiées auprès des fournisseurs à l'étranger, les quantités des cigarettes à importer par marque et par bureau de douane. Les importateurs concernés sont tenus de communiquer régulièrement à la direction des autres produits d'accise les quantités des cigarettes avec anciennes vignettes effectivement importées et les références des déclarations souscrites ainsi que celles des bureaux des dédouanements. À dater du 15 avril 2022, les cigarettes avec anciennes vignettes peuvent être importées pendant une période de 60 jours. Les cigarettes importées après cette période transitoire qui portent les anciennes vignettes sont réputées ayant fait l'objet des fraudes et traitées comme telles conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Pour tout renseignement utile, les importateurs des cigarettes sont invités à entrer en contact avec le secrétariat technique du STDA et à la direction des autres produits d'accise de la DGDA, 6 avenue Reine de la Paix sur l'avenue des Huileries, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, faite à Kinshasa le 12 avril 2022, le directeur général Kawanda Walwom Jeanne Blandine. Nous vous l'avions dit, le vendredi, la tradition a été respectée. Tous les membres du gouvernement Samalou Kondé se sont retrouvés autour du président de la République pour la 9e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points ont été évoqués. Les détails maintenant avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, pour le compte-rendu.